Visite de classe, poignée de main aux professeurs et conseils aux élèves, Jean-Noël Guérini applique les méthodes habituelles d'une rentrée ordinaire. Le président du conseil général tente de faire oublier sa convocation de jeudi devant le juge. C'est quoi semaine A, semaine B ? Eh bien, c'est une alternance de semaines. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Le juge Duchesne pourrait bien mettre en examen Jean-Noël Guérini pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, complicité d'obstacles à la manifestation de la vérité et association de malfaiteurs. Des mots et des charges lourdes de conséquences pour le président du Conseil général qui garde toute confiance en la justice. Et bonne année scolaire. Je vis cette convocation comme une injustice, mais mon rôle c'est de m'expliquer et j'y vois vraiment une véritable opération politique, un coup de poignard politique. Lorsqu'on n'arrive pas à m'éliminer par le suffrage universel, eh bien certains emploient d'autres moyens. Il faudra donc attendre jeudi pour savoir si Jean-Noël Guérini sera mis ou non en examen et pour quelle qualification. Mais 4 jours avant sa convocation, il continue de maintenir le même cap. Je suis innocent, pourquoi voulez-vous que je démissionne ? Et bonne chance.